Bonjour à tous, ici Matt Gaming pour une vidéo. Pack Opening, la première vidéo de la chaîne YouTube. Et je sais, le pack est déjà commencé à être ouvert. C'était pas prévu, je voulais le garder pour plus tard pour filmer. Je voulais l'acheter parce que le pack expire à ce moment où on se parle, dans 12 minutes. Il est 4h du matin, je voulais l'ouvrir et le garder. Je voulais l'acheter et le garder pour une vidéo plus tard. Pour l'avoir déjà en ma possession. Mais ça l'a ouvert tout seul. Il me semblait que d'habitude ça me donnait une option de l'ouvrir plus tard. Je dois m'avoir trompé. Donc c'est le pack à 50 000. J'ai récolté assez de points pour l'ouvrir. Donc let's go, on continue ça ensemble. Nick Suzuki. Dans tous les cas, c'est échangeable. Eric Johnson, 81. Ok. Riley Sheehan. C'est Frédéric Peterson. Ok. Taylor Fedun. On veut un gros pool, là. On veut un gros pool. J'ai l'espérance. Michael McCarron. Anders Nielsen, ok. Jeremy Davies. Andrew Shaw. Thomas Pospisil. Slater Cuckoo. Matthew Highmore. Connor Brickley. Ryan McDonough, 82, ok. Peter Mueller, il est beau, lui. Jimmy Schultz. Blake Wheeler, 84, ok. Michael Hutchinson, un goaler, ça sert à rien. Clem Costin, J.T. Comfer, Jacob Middleton, William Nylander, Peter Verana, Dalton Smith, UC Saros. Dernière carte. Ah, c'est décevant. Je t'enverrai mon album. Meilleur pool, Blake Wheeler, 84. Ok, ben, je voulais l'avoir, donc... J'ai pas été très chanceux, je vais aller voir la valeur de Blake Wheeler sur le market. S'il vaut quelque chose, je vais l'échanger. Sinon, bah. Je vais le garder, je vais le mettre dans mon équipe s'il vaut pas grand chose. Mettons, s'il vaut moins que 10 000 pucks. Peut-être pas 10 000 pucks, mais mettons, s'il vaut moins que 5 000 pucks. Je vais le garder, là, mettons. En tout cas, bref. On se retrouve. Pour vous, ça va être dans quelques secondes, mais pour moi, ça va être dans. 2 jours, parce que je vais attendre d'avoir un jumpack joueur premium. Serum et premium. Que je peux récolter dans 2 jours. Donc on va se retrouver à quelques secondes pour vous, dans 2 jours pour moi. Donc on se retrouve une journée plus tard. Et je pense que ici j'ai mes récompenses Clash. Pas trop sûr de pourquoi j'ai seulement un pack premium. Mais bon, honnêtement, c'est pas bien grave. Là. De toute façon, j'ai pas eu le temps de jouer beaucoup. En fait, c'est pas que j'ai pas eu le temps. J'ai terminé l'école pour. Donc, j'ai eu le temps en mars, mais j'ai pas beaucoup joué à Clash. Donc, on va voir ce qu'on pogne. Pas qu'on pogne grand chose. C'est un pack premium. M'attends pas à grand chose. Ouais, exactement ce que je disais. Trouver mon album. Donc, c'est ça, c'était assez rapide comme ouverture de pack. Et là, j'ai quelque chose à vous montrer. La dernière partie de cette vidéo, je vais la filmer quand je vais avoir mon dernier collector mensuel. J'en ai 14, il m'en faut un 15e pour aller chercher le pack joueur premium. Oui, j'ai pas vu avant que tu peux aller chercher un pack or, un collecteur or ou collecteur icône. Ou ça encore, pack choix général 83-85. Donc la prochaine fois, je vais faire ça à place de faire ces petites collections-là. Mais bon, écoutez, c'est pas... C'est fait, donc... Voilà, c'était... On se retrouve dans 24 heures pour la dernière partie de la vidéo. J'ai décidé d'ouvrir un petit pack imprévu. J'ai fait une collection 8 joueurs or, 2 joueurs or premium. On va voir ce qu'on pogne là-dedans. Ah, c'est ça notre joueur 80 plus. Ok. C'est décevant.
Elias, le nombre 82. J'espérais plus, parce que j'ai souvent été très chanceux dans ces packs-là. Et c'est pas échangeable. C'est pas grave, ça fait des jours de plus. Donc, ouais, on se retrouve vraiment dans 24 heures pour le pack joueur premium. Et oui, bonjour, on se retrouve finalement pas la journée d'après, mais quelques minutes plus tard, genre peut-être une heure plus tard. Je vous rappelle, je vous avais dit qu'il fallait que j'attende demain pour avoir mon dernier collector mensuel pour finir la collection. Mais finalement, non. Parce que les défis du jour donnaient, comme d'habitude, un collector mensuel. Donc j'ai pu finir plus tôt. Donc j'ai mon pack joueur premium ici. Et j'ai fini un autre pack pour atteindre la chose Hot Rush. Donc pack summum. On ne peut jamais rien d'habitude dans ceux-là. Donc on va commencer par ça. Let's go. Un casque de gardien, un logo. Ah, le gros pouf pour rien, Oscar Clefbaum 81. Un numéro. Ouf, Johan Alsen. Loden Schaffler, il y a un beau nom, lui. Loden. Ah, come on, il gros pouf pour absolument rien. Jack Genzo 83. Ben quoi, qui pourrait remplacer Jonathan Drouin sur mon quatrième trio. Il est meilleur que Jonathan Drouin 82. Chris Drigger et Chris Bigra. Alright, alright. C'est pas l'idéal, le pack. Mais là, on arrive au sérieux. Là. Le pack, joueur premium. J'espère qu'il va être bon. Je sais pas si c'est des bons packs d'habitude. Marcus Nutivara. Alexander Yelesin. Henrik Lundqvist. Come on. Henrik Lundqvist 83, je l'ai fait dans une collection. Patrick Brown. Hey, Patrick Brown, je l'ai dans mon mode franchise avec les Golden Knights. Il joue le tranchise avec le bonheur, ce que je ne pime pas évidemment, je peux juste le faire comme ça, mais je l'ai dans mon club école. Bon, le Josh Osing, ok, Travis Boyd, un faux icône comme dit Medic, Joey Cocker, Oscar Lindblom et Dylan Strome 81. C'est pas échangeable, donc c'est pas vraiment intéressant. Mais bon. Donc. Ben c'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir écouté. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager à ceux qui pourraient être intéressés et à commenter vos avis, vos. N'importe quoi qui vous passe par la tête. J'aime savoir des commentaires. Donc, on se dit ciao, à la prochaine. Prenez soin de vous. Restez. Il me reste. J'étais un champ de patates bien raide. Et c'était. Récompense Clash, c'était pas le pack premium de tantôt. Que j'ai été pour ailleurs, ça devait être dans Trash que j'ai ce pack premium là. Ça, c'est mes récompenses Clash. Alors, c'est échangeable, donc si on prend de quoi de moindrement pas pire, on pourrait s'essayer pour le vendre. Et la nouvelle collection que j'ai découvert tantôt. Pack junior international d'hiver. Un joueur junior international d'hiver à choisir parmi deux. Ok, il a fallu payer deux collecteurs or pour ça. Je savais pas trop les foutre, en fait, mes collecteurs or. Donc, c'est ça que... On va commencer par le pack... Pas trop le choix de commencer par lui. Alors, ça qu'on a cliqué dessus. Okay. On va commencer par les plus plates. Un masque de gardien, un logo. Brad Malone. Un autre masque de gardien. Chase DeLeo, il y a un beau nom, lui. Un petit gold plat. Un chandail. Max Martin. David Beckus. Austin Ortega. Et un chandail, c'est pas du gros OV, ça c'est pas très très intéressant ça. Ok. Ok, merci, bug pas pendant mes vidéos s'il vous plaît, eSports. Et voilà, je savais que ça allait faire ça. Là je m'en reviens pour pas saturer parce que sérieux, cette semaine, j'ai eu énormément de problèmes avec eSports. Je sais pas vous là. Moi, cette semaine, j'ai eu énormément de problèmes avec EA Sports. J'ai eu beaucoup de problèmes. EA Sports, cette semaine, leur serveur internet, je sais pas si c'est juste moi, mais j'espère que non, là. Parce que sérieusement, c'était dégueulasse. Ça arrête pas de... Okay, on pognait rien dans cette pack de merde-là.
On n'a rien pogné, pas en tout. On espère que ça bug pas ce fois-là. Et on est rendu à ce qui nous intéresse, qui va vraiment conclure la vidéo. Le pack collection junior international d'hiver. On a le choix entre Bowen Byram ou Inaki Baragano. Ah, il y a un beau nom, lui. Inaki Baragano. C'est qui a les meilleures stats? En tout cas pour les synergies, je suis pas quelqu'un qui joue beaucoup avec les synergies, mais lui et lui, c'est deux synergies que j'ai presque. Donc c'est les deux synergies que Bowen Byram a, c'est des synergies que je suis prêt d'avoir. Surtout fabricant de passe. Il est pas rapide, il a une vitesse de 85, l'autre 86. Ok, Inaki Baragano est beaucoup plus rapide, par exemple. Puissance... Il est pas très précis, mais il est puissant. Ok, son tir frappé est puissant, mais il est pas précis. Ok, c'est la même chose, son tir du poignet. Bowen Byram, lui. Oh boy, c'est pire, c'est ça, la pression de tir du poignet, 79. Non, ses stats sont dégueulasses à Bowen Byram. Même si ses synergies sont meilleures, ses stats sont dégueulasses. Donc je vais prendre Inaki Baragano. Parce que sérieusement, Bowen Byram est dégueulasse. Donc let's go! Ok, je peux le vendre 1000 pas qui direct là. Mais non, je vais l'envoyer dans l'album et je vais aller le mettre dans l'équipe. En plus, ça améliore ma def. Quoi? Qu'est-ce que c'est ça? C'est-tu body ben red? Il est sport, tu sais, qu'est-ce que c'est ça là? Pourquoi j'en ai deux? Ah, tabarnak! Un e-sport pour de vrai. Fixez votre jeu, ça n'a pas de sens. Vous voyez? Je peux même pas jouer là. Là, je reviens d'un party de Noël, j'ai reçu. Inquiétez-vous pas, on en est en zone jaune, où ce que je suis. En zone orange, pardon. Donc on peut se réunir. Donc, en tout cas, bref, c'est pas de vos affaires, mais je voulais vous le préciser pour pas que vous inquiétez. Mais bref, c'est ça. J'ai une carte pour jouer en ligne. Mais les serveurs arrêtent pas de planter ce soir. En tout cas pour moi, c'est ça, fait que je peux absolument rien faire. Voyez! Ça en veut encore de ok! Sérieux, il est pas un tabarnak! Bon, on va arrêter la vidéo là parce que je t'avais de pogner une heure sur un instant. Fait que merci d'avoir écouté et je vais essayer de faire des vidéos sur Nichelle. Encore une fois, si le jeu me laisse tranquille et me permet de jouer tabarnak.